Des spécialités japonaises aux tacos mexicains, de la pizza italienne aux traditionnelles moules frites, les food trucks proposent pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et bientôt, plus besoin de chercher très loin pour les trouver. 10 nouveaux emplacements s'ajouteront cet été au parcours food truck de la capitale, avec un impératif avant le 14 juin, soumettre sa candidature à la ville. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de grandir, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'emplacement à Bruxelles, donc ce serait vraiment une chouette opportunité pour moi de pouvoir vendre mes produits, d'être présente dans la capitale. Vous allez soumettre votre candidature ? Ah oui, clairement. Les anciens emplacements étaient pour nous pas spécialement très intéressants parce qu'on n'avait pas assez de débit. Mais s'il y a des nouveaux emplacements, ça dépend où effectivement, mais avec plaisir. La majorité des food truckers sont très contents, en tout cas ceux qui font ce genre de choses, ils sont vraiment très contents. Maintenant, il y a évidemment un problème avec le parcours, c'est de savoir est-ce que l'emplacement est bon, est-ce qu'il va plaire à tout le monde, tant aux commerçants qu'aux citoyens et qu'à l'offre de bureau aussi. Donc il faut trouver le bon terrain entre les différents acteurs. Et pour mettre tout le monde d'accord, les food truckers pourront tester ces nouveaux emplacements entre juillet et octobre. Place Poulart, avenue Franklin Roosevelt, quai des Péniches, autant de nouveaux pieds-à-terre à essayer à certaines conditions. Respecter la charte éthique des food truckers et varier les terrains de vente. L'innovation de ce parcours, c'est tout au long de la semaine, le food truck va se mettre à des emplacements différents. Et donc, par rapport aux clients, cela crée une diversité de l'offre. Par exemple, au pied de votre immeuble où vous travaillez, eh bien, tous les midis, vous avez un food truck différent qui vous propose un produit différent. Et comme ça, vous faites le tour du monde au pied de votre immeuble. Autre nouveauté, une application mobile permet aujourd'hui de localiser les food trucks dans la ville. À commencer par ceux présents ici, au festival de ces camions ambulants Place Royale ce week-end. Un moyen de plus pour faire voyager vos papilles et mettre de la couleur à vos pauses repas.